Patricia Bouchenaud-Deschamps, bonjour. Merci de me recevoir. Merci à vous d'être venue ici pour ce VIP qui vous est entièrement consacré. Vous êtes ici parce que vous venez de sortir la biographie de Charles Perrault et pour plein d'autres raisons, vous avez énormément aussi travaillé à Versailles. Vous êtes à la fois historienne, chercheuse et écrivain, on vient de le dire. Vous avez écrit à la fois des romans, Au nom de la reine et l'absente par exemple, et des biographies. Oui. Je crois que votre première biographie était sur La Montancier. Oui. Racontez-moi un petit peu alors. La Montancier, une femme d'affaires, exactement. Voilà. C'est un personnage assez extraordinaire, lié intimement à l'histoire des Yvelines et notamment de Versailles, puisqu'elle a dirigé plusieurs théâtres et créé l'actuel théâtre Montancier, qui a fêté ses 240 ans. Donc du coup, à l'occasion des 240 ans du théâtre Montancier, il y a eu à la fois une exposition aux archives communales de Versailles. Dont... Alors, cette exposition, qu'est-ce que vous y avez fait ? Et dont en fait j'ai assuré la partie scientifique de choix des œuvres et autre chose Dites-moi. Qui me tenait beaucoup à cœur parce que La Montancier, j'avais eu la chance que ma biographie soit adaptée au théâtre par Francis Perrin puis par Jean-Daniel Laval. Ah oui. Là, 27 représentations avec une trentaine de comédiens, un très grand spectacle écrit par Anne Kellen. Et là, la mairie de Versailles, Le Figaro et le salon Histoire de Lire m'ont demandé d'écrire une pièce pour, dans ce cadre-là, dans le cadre d'Histoire de Lire, pour les 240 ans du théâtre Montancier. Et ça a été donc La Montancier intime, jouée par Catherine Salvia de la Comédie-Française, au mois de novembre dernier, sur la scène du théâtre Montancier. Donc c'était un très 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 bel événement, un très joli événement. C'est un bel aboutissement finalement. Oui, et puis écrire, j'aime bien les différentes formes d'écriture, donc je suis passionnée, je suis chercheuse, donc je suis une passionnée d'histoire. Je dirais que petite, j'adorais les puzzles et j'adorais les enquêtes policières, donc j'ai transposé ça dans l'histoire, mais j'aime écrire et les différentes formes d'écriture m'intéressent, que ça soit la biographie qui est plus stricte, plus rigoureuse, avec des notes qui se justifient, un aspect plus scientifique, mais qui doit se lire comme un roman, parce que sinon ça nous tombe des mains, le roman, les pièces de théâtre, et puis il y a une autre forme d'écriture aussi qui est le commissariat d'exposition, puisque j'ai fait aussi du commissariat d'exposition. On va y venir justement. Aussi bien au Château de Versailles que à Monaco, et là c'est une écriture en 3D. Encore différente. Encore différente. Donc pour terminer sur les biographies, donc La Montancier, après vous avez écrit sur Le Jardinier Louis XIV. Oui, Henri Dupuis, un nom illustrement inconnu, juste un nom dans les comptes des bâtiments du roi, et donc là mener l'enquête, retrouver tous les documents dans les archives notariales et générales des bâtiments du roi, et reconstituer non seulement une carrière, mais la vie de l'ensemble d'un corps qui est celui des jardiniers du roi, et comment en fait un simple apprenti va gravir tous les échelons pour devenir le jardinier en chef non seulement du château de Versailles, de Trianon, mais diriger les travaux des jardins des Tuileries, de Saint-Germain-en-Laye, etc. Une belle ascension. Une magnifique ascension. Un bel ascenseur social. Oui, et alors donc c'était intéressant de comprendre pourquoi, et c'est là où on tombe sur André Le Nôtre. C'est ce que j'allais vous dire, voilà, c'est vous avez fait le pont. Exactement. Après, vous avez changé de personnage, mais vous êtes resté dans les jardins. Oui, exactement, voilà. Et comme j'avais trouvé des documents nouveaux sur André Le Nôtre, je me suis lancée dans une grande biographie qui n'avait jamais été faite. Voilà. Passionnante, et on s'était rencontrés à cette occasion dans pour un premier VIP dans les jardins de Versailles, et vous étiez aussi la commissaire de l'exposition Le Nôtre. Voilà, André Le Nôtre en perspective, absolument. Alors aujourd'hui, on est là pour Charles Perrault, que l'on connaît tous finalement sans le connaître, parce qu'on connaît ses contes, hein, Barbe Bleue, Le Petit Poucet, Le Cendrillon. Petit Chaperon Rouge, Cendrillon, enfin ça a bercé des générations d'enfants, Peau d'âne. Et pourquoi cette idée alors ? Alors, c'est amusant, parce qu'en fait le nom de Perrault évoque dans l'esprit de tous les contes. Bien sûr. Les contes, et pour beaucoup, je me suis rendu compte que notre Perrault était tellement occulté par les contes, eux-mêmes profondément inscrits dans la mémoire de chacun avec ces gravures extrêmement fortes dessinées par Gustave Doré qui ont marqué véritablement toute notre imaginaire, que du coup, on s'aperçoit que si vous demandez autour de vous, dans un dîner, un déjeuner, enfin sur un plateau, Perrault, c'est qu'à l'époque, et bien spontanément, il y a un blanc.
Ah oui, et clairement. Parce que tout simplement, les gens ne savent pas trop où le situer, 18e, 19e, parce que Gustave Doré, c'est 19e, donc du coup, on ne sait pas trop où le situer. Or, dès qu'on a travaillé sur Versailles, qu'on a touché à cette histoire, eh bien, c'est un personnage qui est incontournable dans l'histoire du règne de Louis XIV, par la place qu'il a tenue en tant que commis de Colbert, bras droit de Colbert, au service de la gloire de Louis XIV. Au 17e, rassurez-moi. Et donc, on est au 17e siècle. Voilà. Donc, et déjà... donc, on retrouve André Lenôtre, et donc, on retrouve mes amours. Oui, voilà, tous vos amis, toute votre bande de copains. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'était que, ok, on ne sait pas trop où le situer dans le siècle, et puis on ne sait surtout pas du tout quelle est sa vraie vie. Absolument. Parce que finalement, ses contes, c'est une partie infime de sa vie, même si ça en dit beaucoup. Grâce à votre regard perspicace, vous avez été chercher des parallèles avec sa vraie vie, et on comprend plein de choses. Mais il a surtout été... un homme incroyablement important dans son temps. Tout à fait. C'était le bras droit de Colbert. Oui. Donc tout ça, enfin, personnellement, je l'ignorais. Et je ne pense pas être la seule. Donc il a commencé une carrière. Comment on peut parler de lui? Déjà, c'est une famille nombreuse. C'est le petit dernier. Oui, c'est le petit. Comme un petit poussé. Le petit poussé. Le petit poussé, c'est le dernier d'une fratrie, famille de 7 enfants, avec un frère jumeau mort quand il est très jeune. Mmh. Et donc, une famille extrêmement soudée. Il y a 5 frères, soudés comme les doigts d'une main, qui vont rayonner, qui vont fonctionner comme fonctionnent ces familles d'artistes, d'artisans de l'ancien régime, c'est-à-dire tous ensemble. Tout solidaire. Chacun a des qualités, des capacités différentes. Absolument. Il y a un architecte, un médecin, un prêtre, oui, un avocat. Charles Perrault est avocat. Son frère aîné l'est aussi. Donc son père c'est l'était. C'est puissant finalement, genre de famille. Et le grand-père était brodeur du roi, originaire de Tours. Donc ils ne sont pas loin du pouvoir. Donc, alors... Moyen. Oui, je dirais que on est dans des familles habituées à servir, et donc on est dans ces grandes familles qui sont à la fois habituées à servir et en même temps extrêmement indépendantes. On est avocat au Parlement de Paris, on a une certaine indépendance, et ça va vraiment se sentir dans la carrière de chacun des enfants. J'ai envie de dire, pardon, je vous coupe, mais indépendant d'esprit. Et une grande indépendance d'esprit, voilà. Voilà. Donc on est, donc peut-être rapidement rappeler qu'en fait il est né sous Louis XIII, sa jeunesse est sous la Fronde et toute sa carrière va être sous le règne de Louis XIV, jusqu'à la mort de Colbert, 1683. Là il aura travaillé 20 ans. Il aura travaillé 20 ans en tant que commis aujourd'hui ça veut rien dire, c'est un nom un peu passe-partout et qui donne une idée un peu subalterne de la fonction, alors que oui, c'est véritablement... Voilà. Alors en fait, que lui, il a été engagé d'abord en tant qu'écrivain, parce que c'est un écrivain. Pour sa plume, alors. Pour sa plume. Et donc, il va être membre de ce qu'on appelle la Petite Académie, la future Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Le père de Louvois, le Tellier, dira que c'est un ramassis de faiseurs de bouts de rime. Quand Louvois verra l'ampleur du travail sur rapport fait par Perrault, il verra bien que c'est absolument indispensable, voilà. Puisque c'est cette équipe qui va dessiner cette gloire du roi et l'écrire à la fois dans des textes, sur des médailles et dans les bâtiments. Comme donc ça, c'est la première. En fait. Voilà. Vraiment une... Alors c'est à la fois un journaliste parce que effectivement ils vont concrets. Oui, mais ils vont plus loin, c'est-à-dire qu'ils vont aussi les imaginer. Ils vont puiser dans toutes les connaissances que l'on a, antiques et modernes, dans tout, des images pour forger celle de Louis XIV. Ah et oui, donc, d'accord. C'est une, c'est un formidable aussi, alors, réservoir, oui, de la propagande, de la création, puisque la création, elle va s'appliquer dans le décor de la monarchie, un décor sculpté sur des grandes arches, les médailles que l'on transmet, sur des propositions qui vont être faites aux peintres, aux architectes, etc., notamment c'est son important. Ami Charles Lebrun. Oui, alors ce que j'allais vous dire, voilà, il a plein d'amis illustres, il a Lully, il a Lebrun, il a Levaux, il a admire les œuvres de ses contemporains. Et il participe de manière extrêmement concrète. Voilà, je dirais ça, on l'imagine pas. Comme le Chaboté, il chausse ses bottes de 7 lieues tous les matins pour aller d'un chantier à l'autre. Il a véritablement un poste tellement important que quand il faudra le remplacer parce qu'il sera évincé par Louvois, oui, Louvois voudra le remplacer. Il devra employer 4 commis à sa place. Un pour charger des affaires de la ville de Paris, un autre chargé des manufactures,
un troisième chargé des devises et marchés, donc tout, pour pouvoir effectuer tous ces travaux, puisque notre Perrault a suivi tout le chantier de Versailles, mais aussi celui du Louvre et d'autres chantiers. Donc on est véritablement sur quelqu'un qui est sur le terrain. Et puis toute la comptabilité. Donc vous, c'était hallucinant. Hallucinant. C'était ajoutez à cela le fait qu'il soit contrôleur général des bâtiments, comme l'était André Lenôtre, donc ils étaient trois. Donc André Lenôtre, Charles Perrault et un troisième. Patricia, moi je vais ajouter un autre truc. Et enfin, pardon. Les messieurs, bientôt fini. Et enfin, dis-moi. Et en fait, l'académicien. En plus, il est membre de toutes les académies. Donc culturel, c'est une sorte de ministre de la culture. Oui, très important, qui s'est battu pour la défense de la langue française. Il y a des choses qu'il a mises en place qui sont toujours d'actualité. L'organisation actuelle de l'Académie française. Les jetons, etc. Exactement. Alors, malheureusement, le temps est très court. Enfin, on passe très vite avec vous. Oui. L'image de la femme. Alors, le petit poussé, il donne une image de la mère pas très sympathique. Et puis finalement, il a quand même écrit l'Apologie des femmes. Oui, alors on est sur un personnage paradoxal, une œuvre complexe et un personnage paradoxal, c'est-à-dire que il est, en deux mots, le champion dans la querelle des anciens et des modernes, il est le champion des modernes, c'est quelqu'un qui est original, comme dira Boileau. Qui est bizarre, bizarre, voilà, on parlera de cette bizarrerie de cette famille. C'était une insulte à l'époque, c'était bizarre. Il va le prendre comme une insulte, pour nous c'est plutôt un compliment de nos jours, parce que c'est hors norme. Il est hors norme, il est indépendant d'esprit, il a un côté un peu frondeur, pétillant, titillant, et alors, très stimulant. Et que, donc les femmes, que c'est je suis très mal élevée, que je coupe la parole, je suis désolée. Oui, non, mais c'est juste pour dire que, donc il a écrit Les femmes comptent, bien évidemment, qu'il a réécrit un peu à sa sauce, parce que ça appartient un peu à l'inconscient collectif, ces histoires-là. Il a mis une petite morale, sa moralité. Ensuite, il a écrit plein d'autres choses, donc l'Apologie des femmes, plein de textes très importants. Oui. Et vous, alors, qu'est-ce que vous préférez comme conte, pour conclure? Alors, vous avez un conte qui vous parle plus qu'un autre? Si j'ai un conte qui me parle plus qu'un autre, je pense que le petit poussé reste toujours d'actualité, plus que jamais. C'est-à-dire que c'est un formidable, je dirais que pour des jeunes, c'est une formidable lueur d'espérance. C'est-à-dire c'est le petit dernier qui est vraiment mal parti, le plus faible du maillon. Un petit disgracié, oui. Le tout dans une famille bouffée par les difficultés de la vie quotidienne, qui va s'en sortir et qui va aider tout le monde à s'en sortir. Donc c'est quelque chose de très stimulant. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, 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 c'est aussi le Chaboté. Comment avec, c'est toute cette intelligence pour s'en sortir dans la vie avec une paire de bottes de 7 lieues pour faire la fortune magique, de son il y a de la magie parce qu'il faut de la magie il faut croire à la magie car tout le temps la magie joue d'une certaine façon et c'est celle qui nous stimule, c'est ça qui nous fascine. Merci pour ce livre magnifique que je recommande à tout le monde. Il y a de très belles illustrations à l'intérieur, qu'il faut découvrir, et vraiment Perrault, c'est un personnage chez Fayard, qui donne la pêche. Et je suis très triste parce que j'ai fini de le lire. Alors il me manque, mais je le relirai un jour. Et donc merci Patricia, vos projets en deux mots. En deux mots. Il y en a. Oui, forcément. Non, jamais. Non. Oh, bah écoutez, on se repose. Quand on peut. Un jour, on aura le temps de se reposer éternellement. Donc entre-temps, toujours choses. Des idées. Qu'est-ce voilà. Qu'est prévu théâtre, peut-être roman, et puis d'autres projets de biographie. Donc voilà. Bon, c'est l'occasion de. Ce sera l'occasion de se revoir. Avec joie. Avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. Et franchement, régalons-nous. Régalez-vous. Merci beaucoup. Merci Patricia.